On est de retour, rang 10. J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai pas gagné de rang sur Hearthstone, mais c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de gagner de rang, c'est de faire du sport en s'amusant collectivement, voilà, sur Eclipsia, en faisant des pompes, des abdos, des exercices de chaise, de gainage à chaque game, entre chaque game plutôt. Si on perd, on en fait plus en fonction du nombre de PV de l'adversaire. Ça a l'air d'être un système intéressant et on tombe toujours contre Paladin, et ça fait 2 heures qu'on joue ce petit deck prêtre très fun, entre guillemets. C'est pas un deck viable, et justement, c'est ce qui nous permet eh bien, de compenser. Parce qu'en gros, si je prends un deck viable, je vais pas faire assez de pompes d'abdos, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout en fait. Non, c'est juste que là, ça peut rendre les games plus intéressantes. Et du coup, ben, c'est mieux. C'est mieux parce que les games sont plus intéressantes. On perd des fois, donc on fait un peu plus de sport, et c'est parfait. Comme ça, pour cet été, on est bien. Pour aller à la plage à Ashford, on est tranquille. On est vraiment tranquille. Ah putain! Team Action, un repas bien mérité. Très très bien ça. On me tweet des salades. Enfin des salades. Pas des mensonges, mais des salades, des vraies salades. C'est plutôt bien. Oula, j'aurais dû compter le nombre de paladins. Je pense que contre paladin, je devrais faire 5 exercices en moins. Enfin, 5 pompes en moins, 5 abdos en moins. Je pense qu'on devrait faire ça. Et non! Et non, pourquoi? Parce que zéro excuse. On garde ce mot d'ordre et ça joue pas et ça sent du Murloc à plein nez. Ça pue le Murloc à plein nez même. Tu peux mettre la decklist à côté. Ça peut se faire, il faut juste que je la retrouve. Voilà, la liste du feu, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Oui, bah je suis baisé là. Et pourquoi il me joue ça? Oula, c'est bizarre ça. Putain, ça je peux pas gérer. J'aurais pas ramené de value avec ma Claire. Enfin, elle aura fait 3 de dégâts, ce qui est nul à chier. C'est pas son but. Son but c'est de me faire piocher, de tempo un peu, de pouvoir faire des petits trades sympas. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc là, bien sûr, il y a un trade. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Un autre déchiqueteur serait dramatique. Une rampante, ça peut être intéressant à choper ça au prochain tour. On a pas mal de trucs pour contrôler là. Là on a tout le panel en fait. Il nous manque la bombe de lumière. Et franchement on a tout quoi. Mot de l'ombre douleur, mot de l'ombre mort, cabale, Nova, ensevelir, folie de l'ombre. Il faut que ça reste en vie. Normalement, il devrait pas trade. Parce qu'il peut pas le finir avec ça. Donc, moi, ça me permet de mettre une cabale là, ce qui est pas mal. Attention, il a un T5, un autre Crash Vase peut-être. Ça, faut faire gaffe quand même. Hein. Oh, là-dessus, là-dessus, là-dessus. Putain, là-dessus, ça aurait été parfait, mec. Ça aurait tellement été parfait. Qu'est-ce qu'on préfère? Je prends ça parce que ça va lui permettre de faire des trades. En gros, elle va pas m'apporter grand-chose parce qu'il va trade une fois là, une fois là et une fois là. Il va la tuer. Ça va rien tuer. Mais si je lui laisse, prochain tour, j'ai de la merde. Il met une béné. Elle monte à 5, 6, 7. Il traîne ma cabale tranquille sans qu'elle meure. Enfin. Laissez-moi vous montrer une autre. Putain, là, ça aurait été tellement fort. C'est un omelette. Peut-être. Peut-être, peut-être. Un deck paladin omelette. Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est dingue comment le cavalier Murloc est revenu dans la méta de ouf. Ça va être très très chiant. Obéissez. Allez, le venger là-dessus. Le venger là-dessus. Fais-moi arriver. Le venger là-dessus, fais-moi arriver. Yes, ça. On est très très bien.
J'aurais pu lui laisser ça 2-1 pour que ça chope l'esprit combatif. Mais là, le trade était trop intéressant. Allez, on peut ensevelir. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut ensevelir. Il a plus de secret par contre. Même si un Tyrion, on a le Limonde, quoi. On va le faire comme ça. Si un Tyrion, c'est un peu chiant. C'est vraiment un peu chiant. Enfin, c'est même complètement chiant, même. Genre là, Limon maintenant, tout de suite. C'est très relou, parce que j'ai pas le moyen de le gérer. Comment on fait pour jouer avec Super Zulux? De quoi tu parles pour jouer avec Super Zulux? Sur Hearthstone ou pour faire le mercredi sport? Le mercredi sport, tu fais ça chez toi tranquille. Ah oui, elle reste. Ah, elle reste capée à 3-3. Quel con. C'était nul. C'était nul. J'avais oublié qu'elle restait capée à 3-3. Ah non! On n'est pas très bien. Putain. Allez, le limon qui va pouvoir sortir. Par contre, pour gérer un potentiel Tyrion, ça va être catastrophique. On peut jouer ordi et PC ou pas? Oui, pour jouer avec toi. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Pour jouer sur Hearthstone, j'ajoute personne. Allez, fais-moi arriver là. Jeu d'esprit. Donne-moi un Tyrion. Un mini-robot. Oh putain. Ça reste correct, hein, mais... Zulux, je vais pas te mentir, je suis KO, alors perds pas stuff. Ah oui, mais non! Justement, c'est dans ces moments-là où il faut serrer les dents et y aller. Non, non, là, 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 là. Là, pour une fois, pour une fois. Putain, oh putain. Pour jouer à Hearthstone, tu peux jouer sur PC, sur Mac, ça, je sais pas si c'est possible, je pense. Ouh là 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 là, on n'est pas bien là. Ah, quoique, on va bombe. Quoique. Ah, c'est chiant. Ce petit trade est chiant. Qu'est-ce qu'il a en main? Oh, Reb, c'est sympa. Qu'est-ce qui revient? J'ai pas calculé. Bon, j'ai cramé mon seul contre au Tyrion. Hein. J'ai cramé mon seul contre au Tyrion. Là, s'il arrive, ça va être assassin. Allez, un bon truc. Mais pourquoi le baron? La pire carte. C'est la pire carte. C'est la pire carte. What the fuck?
Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a pas mis ça en 3-3? Mais c'est trop bizarre, mec. Allez, c'est le moment. C'est l'heure. Oh là là. Est-ce qu'on va tenir? Je pense qu'on perd. Attends, on a déjà utilisé notre ross. On a encore un contrôle mental. Si je joue Tyrion, faut top deck le contrôleur mental. Le contrôle mental. Zulux, si je décède à cause de toi, j'espère que tu auras des remords. Mais non. Zulu, tu reviens de la piscine ou de la douche? Pourquoi? Je transpire? Non, là, je transpire pas en vrai. Allez, on a encore une solution au Tyrion dans le deck. Une et une seule. Pas de régiment de bataille. Putain! Non, je peux pas gérer ça du coup. Qu'est-ce qu'il a dans son deck? Oh, donne-moi un Tyrion! Oh! Oh, le Ragnaros, ça c'est gentil ça. Feu jeune. Ouais, feu jeune. Oh le Ragna, on sait qu'il a un Ragna alors. Ah la serviette, ah. Très bon ça sur Twitter. Là il met un Ragna, c'est sûr, non? Il traite tout et il met Ragna. Et là, on joue la game sur une chance sur... Ah bah non, pas une chance sur deux. Putain, il met pas encore Ragna, hein. Putain, c'est tentant, là, quand même. J'ai quand même deux chances sur quatre pour que ça sert à rien, le Ragna. Putain. Il a de la chatte. Et là, il me pose son Ragna. Et lui, il a une chance sur deux de faire la game. Je ne dirai rien. Son passif est tellement chiant. Je reprends un Ragna. Vas-y, de toute façon, je vais... Oh là là, on sait qu'il est encore dans son deck, le Ragna. Alors, est-ce qu'on crash vase ou est-ce qu'on sarade? Vas-y, sarade. Éclair, vas-y. Le vol! Putain, merde. Franchement, s'il a pas son Ragnaros, il va être deg là. Il a pas son Ragnaros encore. Il a pas son Ragnaros. Et au moment où il va me sortir son Ragnaros, je vais le contrôle mental. C'est le plan. Je suis pas d'accord avec son play. Ah, quoique. Bon, on va éclair là. On va éclair là, clairement. Ou éclairement, incroyable. Allez! Non, ça pue la merde! Non, ça pue la merde! Il m'énerve avec son passif! Bon, là, il a Ragna. Là, il a Ragna, c'est sûr. C'est chiant, hein? Son passif, là. Allez! Et là, top deck, contrôle mental! Et là, c'est fabuleux! Contrôle mental! Oh, c'est trop tendu. Oh, c'est trop tendu.
C'est trop tendu. Cette game est trop tendue. Non. Putain. Putain, j'ai pas eu de chat aussi sur les Ragnas là. What the fuck cette game. Bon, en tout cas, on fait que 4 pompes en plus. Hein. Putain, il faut la gagner quoi. Les pires boules de feu, c'est des probas, c'est des stats. Mets du board. Non, j'étais obligé de mettre un taunt en fait. Après, je pouvais. En fait, je pouvais jouer le beau jeu, prêtresse cabale pour lui retirer une chance. Mais ça, c'était plus safe. C'est, là c'est son passif hein, qui fait la game, c'est dingue. Oh là là, mais non. Allez, ici. 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 Allez, 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 allez. Laissez-moi vous montrer une autre façon. Allez. Ah, oh, j'aurais kiffé par contre choper le contrôle mental. Allez. C'est maintenant. C'est maintenant. Putain. Putain, putain. Putain. Merde, attendez, attendez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? C'est maintenant! C'est maintenant! Non! C'est le game! Non! On est trop day! Sixième défaite. Oh, ce game. Nul sur 20. En même temps, au niveau stats, il était bien. Ça aurait été du vol. Hein. Ça aurait vraiment été du vol. Putain, je lui pique 2 Ragnaros. Putain, le contrôleur mental. Le contrôle mental sur le troisième Ragnaros aurait été épique. Quoi. Aurait été épique. Bon, on a 4 à faire. Qu'est-ce qu'on fait pour 4? Allez, on fait 14 pompes. 14 pompes, les gars. C'est parti. Allez, on reste motivé. J'espère que ça va aller. J'espère que mes bras vont tenir, là. Allez, 14 pompes. J'embarque le fond vert, mec. Allez, go. Waouh, 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 les bras, les bras, les bras, les bras. Oh, les bras, ils tiennent plus. Oh, les... Non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je vais faire 14 abdos. J'ai les bras tétanisés. J'ai. Je... Alors là, je ne peux pas. J'ai... Les bras, ils disent non. Donc, oui, je sais, c'est des excuses. Mais là. Enfin, c'est des excuses. C'est mon corps qui choisit, tu vois. Allez, 14 abdos. Une. Deux. Putain, faut que je garde les pieds au sol, par contre. Trois. Quatre. Cinq. Elle compte pas celle-là. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ouah, ouah, c'était dur. Ouah, c'était dur. Les pompes, je ne peux plus. Là, mes bras me disent non. C'est, en fait, c'est pas que ça fait mal, c'est que ça pique, en fait. Et c'est que je peux pas. Donc, 14 abdos en plus. On a 44. Est-ce qu'on peut trouver le score de la dernière fois? Je vais regarder si je trouve pas le score de la dernière fois. Alors, ça... C'est le score de la semaine passée. Pour l'instant,
Ah ouais, mec, on avait fait beaucoup quand même. Ouah, la semaine passée, on avait tout dégommé. En vrai, là, c'est easy hein, comparé à la semaine passée. On avait fait 155 secondes de gainage. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue. Bon, on continue. On joue contre prêtre. Oula, oh là là, prêtre. Oh, ça va être magnifique. Prêtre, ça va être magnifique. Je crois que je vais pas tenir, Zou. Eh ben écoute, laisse, pas grave. Seigneur de la mort. Tiens, moi j'en ai pas. Petit McDo. Mais non, arrêtez, arrêtez. Putain, je suis trop deck sur la dernière game, quoi. En même temps, c'est vrai qu'il a pas eu de chance. Qu'est-ce qu'on fait? On pièce vol d'esprit? Est-ce que si on pose un truc, il va pouvoir se heal? Qu'est-ce qu'on trouve dans son deck? Ça, c'est pas intéressant pour nous. Ça, c'est pas intéressant pour nous. C'est pas bon là. Là, on est vraiment pas bon. Value nul à chier sur le soin rapide et le croc zombie. Nous, on joue pas l'Ocean Eye. En fait, lui, c'est il joue à un prêtre contrôle basique en fait. Zulux, pour la prochaine fois, le La twerk. mort ne me fait Hein? pas Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte? Je crois qu'il essaie de communiquer. Bren, est-ce que tu nous entends? Le nouveau sandwich au bacon au cheddar fondu est trop bon. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est le mercredi sport, pense pas à la bouffe. Par contre, t'as pris une bonne douche. Ensuite, on se fait un bon petit plat. Oh, je vais faire un rump steak ce midi. Oh ouais! Ouais. Rump steak. Oh, je vais vous tweeter tout ça. Un putain de rump steak. Oh, ça va être trop bon. Oh oui. Oh, je dis oui, monsieur. Oh, je dis oui. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Zulu, McDo, Quick, KFC ou Burger King? Burger King, McDo. Quick et KFC, j'ai horreur. Enfin, Quick, j'aime pas en fait. Je trouve c'est tellement en dessous de McDo. Et KFC, j'ai horreur. Voilà, pour être complet. Quick, parce que eux, c'est le goût. Oh non, s'il vous plaît. Il n'y a que les burgers high quality de Quick qui sont vraiment bien. Mais c'est cher, quoi. Ça va être une longue game. Ça va être une très très longue game. Et je pense pas qu'on a les armes pour rivaliser. On peut l'emmener à la fatigue par contre. Et ça c'est drôle. Ça c'est drôle si on l'emmène à la fatigue. On va essayer de le faire overdraw. Vas-y, pioche, gars. T'as voulu poser un clair? Eh bien, on va te faire piocher. Alors, j'ai pas dit que ça allait marcher. Hein. Je sais absolument pas si ça va marcher. Mais on va tenter cette strat. Par contre, croque zombie et soin rapide, c'est très bien si tu joues au chenail. Je ne joue pas au chenail. Je peux peut-être la choper après. Horreur de KFC. Ouais, pour moi, c'est trop gras. C'est pas assez bon. Il n'y a pas. Non, c'est. Non, franchement, ouais, j'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Les damnés se tiennent prêts. Je peux le faire overdraw. Ah, je peux pas soin rapide. Bon, si je le fais overdraw de 1, c'est pas dingue quoi. Ma main est déjà pleine. Ok, plus de soins rapides pour lui. Enfin, un en moins. Je sais pas s'il en joue deux. Elle va être très tendue cette game. Allez, j'ai pris le pari. Là, c'est vraiment un pari. C'est de l'emmener à la fatigue. Là, il y a peut-être une Ocean Eye par contre. Oui, voilà.
C'est bien, ça lui enlève une carte en plus de son deck. Qu'est-ce que je fais moi derrière? Est-ce que je mets une bombe pour ça? Oui, on peut. Ça tue pas ça, c'est chiant, ça donne un rip-hop. Oh non! Non! Bien joué. Non, c'est ma meilleure carte! Je perds ma meilleure carte! Je perds ma meilleure carte! Oula, golem CS piloté! Est-ce que on veut pas ensevelir ça? Je pense que. À moi qui me joue une Isera. Et s'il me joue une Isera, je suis bien baisé. Parce que ça, c'est ma seule arme contre Isera. Mais je sais pas s'il la joue en fait. Nous, on a dit justement, on veut pas trop piocher. Parce qu'on a pris le pari inverse de lui. Donc go ensevelir. Donc go ensevelir. Alors, Seigneur de la Mort. Jeu d'esprit. Si ça marche. Réducteur fou. On sait qui joue un réducteur fou. Ah. Je suis trop deg. Je suis vraiment trop deg là à l'heure actuelle. Cassoulet ou choucroute? Cassoulet. Cassoulet, bien sûr. Of course. Ça, c'est... On est quand même sur un stream sportif et on parle de bouffe, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu ça, quoi? Et voilà. On a joué l'ensevelir. Il nous faut un silence. Rapidement. Oh, ou un réducteur fou, ça aurait été parfait. Je peux tenter de le choper. Putain, ça va à l'encontre de notre théorie aussi. Jusqu'à la fin du tour. Est-ce que ça me donne... Tiens, on va tester. Ah oui, je peux pas. C'est 3 d'attaque ou moins. Connard, va. Après, c'est pas grave. On va faire ça. Allez, ça vide en... encore un peu plus son deck. Oh, Elise! Oh! Ah ouais! Ah oui, s'il y avait Elise... Oh, je l'ai niqué! Je l'ai baisé! Je t'ai bien eu. Par contre, Isera, c'est un problème. Hein. C'est un problème que je ne sais pas gérer. Bon bah voilà, il a sorti la meilleure carte de mon deck, j'ai sorti la meilleure carte de son deck. Allez, plus que 10 cartes. Plus que 10 cartes. Team choucroute. Les pires. Attendez, moi je suis concentré là. Burger King ou McDo, c'est différent. Pour moi, c'est vraiment différent. C'est bizarre. McDo, Burger King, c'est un peu plus cher, mais c'est plus bon. Je trouve qu'il y a plus de goût. T'as heureusement. Franchement, j'ai eu de la chatte sur l'Elise. Hein. Par contre, je me doutais pas qu'il allait jouer Isera. Allez, encore une créature. Abuse pas quoi. Ah, il fait vraiment beaucoup trop de value là. Qu'est-ce qu'il a encore dans son deck? Ouais, c'est pas dingue là. C'est pas dingue. Voilà, il fait beaucoup trop de value avec Isera, il va gagner. Mais bon, c'est pas encore perdu, donc on n'abandonne pas. Surtout que si on perd à 30 HP, ça nous fait une minute de gainage ou 45 secondes de chaise. 45 secondes de chaise, on va faire ça. Parce qu'on a fait du gainage tout à l'heure. Ça, je ne gère pas. Et ça, c'est dramatique. Hein. Lisera qui a tenu trop longtemps. Allez, pose encore une créature. Que je te prenne Lisera. Allez, allez, allez. Pose encore une créature, fais un misplay là. Laisse-moi une fenêtre pour remonter. Il va faire un petit spell. Réducteur fou.
My time is now. Ou contrôle mental. Ok, j'ai Nizera. Allez, allez. À gauche. À gauche. Dislocateur mental TC-130 enclenché. Il va peut-être me lancer le lire du coup. Ce qui est possible. 7. Ah oui, mais il va me la tuer. Il faut que je fasse double mot de pouvoir. T'as la chouette qui pop maintenant. On a 13 contre 9. 7, 10. Il me la gère, putain. Mais j'ai peur de l'ensevelir quand même, tu vois. Oh, la cabale qui est intéressante. Contre 8. Très mauvaise carte. Sérieuse, on en a pas besoin. Bon, ça fait toujours une carte en plus, mais il a tellement eu de value avec son Nizera. Bon, je suis content qu'il a posé réducteur fou, parce que bah, réducteur fou plus cabale, ça chopait le Nizera, quoi. Je me demande... Toujours piocher avant Zou. Oui, j'avoue. Il a peut-être trouvé le moyen de la tuer. Ok, avec un Nova. Ah, très nice. Ça, c'est nice. Enfin, c'est nice pour lui, hein, pas pour moi. Après, ça va, je peux gérer ça. Merde, je la gère plus. Prends-moi un serviteur dans la main. Ok. Bon, plus d'Isera. Bon, on a vu qu'il n'avait pas de réponse. Donc, on va tout de suite poser la deuxième. En plus, voilà. Là, on a réducteur fou, cabale. Putain. C'est maintenant qu'on le sort, quoi. C'est maintenant qu'on le sort. On a vu qu'il n'avait pas l'ensevelir, donc c'est le moment d'appuyer. Or, serre de soin, ça me va. Chouette. Ok, je remonte l'Isera. Mais comment je gère ça après? Parce que ça, je gère pas en fait. Pareil, je peux cabale ici. Ah mais j'ai une deuxième cabale. Je dois réfléchir. Et j'ai une deuxième cabale. Parce que... Au cas où je décide de la garder. Donc ça, je peux gérer ça. Je prends ça. Et je réveille quoi? Ah bah je peux la remonter. Il restera ça. Laissez-moi vous montrer une autre façon. Je vous apporterai. Il y a un problème. Allez, on garde les deux clercs. On les jouera pas. On a toujours pas vu de bombe de son côté. On a toujours pas vu de Nova. Full Rock, Super Zulu. Oui, bah regarde ce que j'ai fait. Belle Madi. Soin rapide. On tient, on tient, on tient. Putain, on a baisé son Elise. C'est ce qui nous a peut-être fait gagner là. Parce qu'en plus, Elise, ça lui remet deux cartes dans le deck. On a vraiment chaté. Hein. Franchement,
Franchement, la game s'est jouée là. Après, il peut toujours gagner, hein, mais là, je le mets vraiment mal avec mon Izera. Comme lui, il m'a mis mal avec son Izera. Sauf qu'au cas où il y a une deuxième Izera, je peux top deck ma deuxième Kabbale. Enfin, une deuxième Izera, au cas où il fait ensevelir, quoi. Tu penses quoi de la congolexicomatisation des lois du marché suite... Oula. Ok, il gère toujours pas. Je pense que je suis bien. Trois. Qu'est-ce que je peux poser ça, tranquille. J'aimerais bien la heal un peu, mais je ne peux pas. Ok, il a une deuxième bombe. Après, sur une deuxième bombe, il la tue pas. Hein. C'est un deck prêtre vol de super zoom. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'appelle ça la liste du feu ou best of generator. Tout simplement pour faire tilt les gens. On joue avec la RNG, avec la paltresse qui est morte sur ce duel. Et. Et les deg. Sa bombe est cuite. La paltresse, le champion de Nexus de Sarah. On joue un jeu d'esprit aussi. Donc ça c'est côté RNG. Et on vole aussi toutes les cartes de l'adversaire. Non mais c'est gagné, il peut plus rien là. On va faire attention de ne pas perdre l'Izera. Ouais, j'ai 10 cartes là. Enfin, attention à pas poser trop de cartes. 3, ok, 9. On va meuler une carte. Putain, j'ai pas envie de poser deux clairs. Silence, réducteur fou, je veux pas poser. Réveil d'Izera. Putain, c'est ce que j'aurais dû faire en vrai. Bah, limon. Et comme. Et vu que. En fait. Oula, ensevelir c'est pas grave. C'est pas grave, il faut que je top deck ma Kabbale. Et c'est pas grave. Top deck Kabbale et je gère son Izera. Il l'a pas encore en main donc on est tranquille. Pour l'instant. Faut pas qu'il me la sorte rapidement par contre. Bon, ça va se faire bombe. Donc on va arrêter là. Du coup, je viens de faire 44 abdos. Pourquoi? Ah, je suis un peu en retard. Ah ouais, ah, tu viens de faire 44 abdos, putain. Beau gosse, quoi. Beau gosse. Allez, la deuxième Kabbale, là. Putain, j'espère que j'ai pas joué... Ok, ça a pas voulu bombe. On sait qu'il l'a en main, parce qu'on l'a eu avec vision télépathique. Champion Nexus Sarad. Et par contre, je serais obligé de... Ah, ça, c'est le problème. On va attendre la fin. De toute façon, pour gérer l'Izera, on est bien. En vrai, j'aurais pu poser le champion, quand même. Et ça, 3. Non, on pose pas trop à la fois. Salut, coucou Zoulux. Kabbale. Putain, je peux pas gérer ça en plus. On est obligé de la silence. Trade là. Il manque un dégât. On va à la silence. Oula, je fais misplay. Putain, je suis sûr que ma prochaine carte c'est Kabbale en plus.
Attends, non. CDV. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Il a eu sa légendaire 5-4 avec un Seigneur de la Mort. Puis Zulux a piqué le second. Et il a fait pop. Oui, voilà. Tu as bien résumé la situation. Oui, en fait, j'ai plus ma paltresse, quoi. Ça, c'est chiant. Allez, on a pris le pari dès le début de partie. En se disant, on va essayer de le faire piocher un maximum pour jouer la fatigue. C'est maintenant que ça va pouvoir se jouer. Donc ça, on peut plus jouer. L'éclair, on peut plus jouer. Oula, Ocean Eye, cercle de soin. En vrai, c'est Tandax, hein. Ocean Eye, cercle de soin, là. Qu'est-ce qu'il y a glandé ? Merci. Oh, qu'est-ce qu'il a glandé ? C'est gagné, là. C'est gagné, c'est gagné. Je ne crains plus rien là. Ah oui, mais attends, tout dépend ce qui repop quand même. Aïe, pioche. Bah alors. Putain, réducteur fou. Cabale, je ne peux pas prendre. Bon, en vrai, je fais juste ça et c'est gagné, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ah, il aurait pu me mettre mal, quand même. Mais moi, j'ai trop de cartes encore en main. Et je ne crains plus rien. Il lui reste deux cartes. Putain, c'est dommage, j'aurais bien kiffé lui piquer. Bon, bah nous, tranquille, hein. Vision télépathique, qu'est-ce qu'il a? Ah! Ensevelir! C'est pas grave, je peux le piquer avec cabale, réducteur fou, plus soin. Vas-y, ensevelir. Et au pire, je peux même le re-ensevelir. Bon, là, c'est gagné. On a géré la partie. Et la partie s'est jouée sur Elise, hein, je pense. La partie s'est jouée sur Elise. Par contre, qu'est-ce que je fais là? Non, non, je vais attendre de... Je vais pas le récupérer sur ensevelir. Je peux le récupérer sur contrôle mental, je peux le récupérer sur ensevelir, je peux le récupérer sur prêtresse de cabale et réducteur fou. En vrai, je pense que quand même le move le plus safe, c'est cabale maintenant. Et ensevelir pour prendre tant qu'il y a... Enfin... De toute façon, c'est gagné, mais... Qu'est-ce qu'on... On le pique avec quoi? Non, mais je le piquerai avec ensevelir. Je le piquerai avec ensevelir. Cette game de mort. Non, mais ça va. En vrai, c'était une game intéressante. C'est juste que je pense l'avoir bien géré, quoi. Et là, il récupère un portail instable. Portail instable. Il a L2 mort. Non, mais même... What the fuck? C'est quoi les traits verts, là? C'est quoi les traits verts? Eh bien, on a quoi? On a 15 secondes de chaise ou 15 abdos. Qu'est-ce que vous préférez faire? 15 secondes de chaise ou 10 abdos? 10 abdos, c'est tranquille. 10 abdos, c'est tranquille. Je relance direct, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Ou 30 secondes de gainage. On peut faire 30 secondes de gainage. Et on fera la chaise après. 30 secondes de gainage. C'est parti en position. Ah oui, merde. Vite, vite. Attendez. Allez, 30 secondes de gainage. Et hop. Allez, on va même tenir 45. On va même... On n'a pas fait beaucoup d'abdos. On n'a pas fait beaucoup d'exercices. Là, c'était des longs games. Donc go tenir 45 secondes, donc 50 secondes au contraire pour moi parce que je mets 5 secondes à m'installer. Allez, on serre les abdos, les fesses et les dents.
Ça, c'est mon problème. Je serre trop souvent les dents. Allez. C'est dans la tête tout ça. Bon, pourquoi il joue pas l'autre? Vous avez vu? Vous avez le temps de vous muscler le temps que votre adversaire choisisse qui mulligan. Alors, stop le gâchis et maintenant prenez le temps de le faire. Voilà, on a tenu 45 secondes, tranquille. Et voilà, regardez! Ah, c'est un chaman! Ah, je pensais que c'était un guerrier! Merde, je pensais que c'était un guerrier, moi! Je pensais que c'était un guerrier! Par contre, on a gagné, donc on a 5-6. Ah, je pensais vraiment que c'était un guerrier! Tends le menton, c'est-à-dire. Baisse les fesses. Ah, j'ai les fesses trop levées! Merde! Merde, j'avais pas vu! secondes. Ouh, bah je devais faire 30, j'ai fait 45, c'est tranquille quoi. J'espère qu'il n'y a pas de silence. Ça c'est chiasseux par contre contre les décagros. Il faut tendre le menton vers la mort. Ah ouais, pourquoi? Putain, il a un silence. Ça me donne envie de faire ça, même si... Wouah! What the fuck? Oh, j'en demandais pas autant quoi. Zou, je suis traumatisé, tu peux m'aider? Vas-y, je t'écoute, le Sebac. Je suis tout ouïe. Non, mais ça c'est trop nul. Voyons si ça marche. Je ne peux pas faire ça. J'ai tweeté les 87 secondes de retard. Ah ouais? Oh putain. Par contre, gainage, on a fait plus 45, c'est ça? Ça fait... Plus 45. Ça fait 3. Et 50, ça fait 120. 130, 133. 133, ça va, ça avance. Ça progresse. Alors par contre avec ça je peux tellement prendre cher quoi. Par la lumière. Putain, j'en ai deux quoi. C'est un peu too much. Hein. Après c'est très nul les deux armes face à un gros. C'est exactement ce que je dis Zoka. Et là je suis obligé de me prendre 3 encore en plus. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère me heal. Non. Bon, il y a peut-être le létal. Hein. Zouk, j'ai un problème. Hier, j'étais en soirée. Le pote de mon frère était totalement défoncé. Il a sorti l'hamster de sa cage et a crié Pikachu plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'il jette la balle du chien sur l'hamster et dit Pikachu revient. Oh Dieu. Très drôle. En tout cas très très drôle. Qui êtes-vous? On va regarder ce qu'il a d'autre. Est-ce qu'on peut tenir? Il peut avoir potentiellement pas mal de dégâts en main. Parce que forcément c'est un deck pour. Moi il me faudra un crash vase rapidement. Pas de crépitement. Oh! Explo. Oïe. Faut du soin. Alors, quelle est la strat ici? J'ai 8 de mana, donc je peux faire... Je peux pas chouette cabale, parce qu'il faut à tout prix que je me soigne.
Donc je peux chouette. Je peux chouette, soin, trade, jeu d'esprit. Je peux d'abord jeu d'esprit pour voir. C'est intéressant. Je vais poser de la pression. Bon, il peut toujours avoir l'étal sur crépitement. Totem, crépitement. Sur une arme, croc-croc. Il manque 4. Il a un silence. Qu'est-ce qu'il a ? Orion. Moi j'ai combien de dégâts derrière ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis one-off. Putain. Attendez. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Putain, faut savoir où ça le met, quoi. Comment je peux savoir où ça va le mettre ? Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Le mieux, c'est peut-être de confesseur en vrai ici. Parce que j'avais quand même pas de létal. C'était pour aller chercher du taunt. Je l'ai pas fait. Est-ce qu'il gagne ? Et il peut pas totem. Oh, il va chercher de solution ! Non ! Non ! Non ! Non ! On est parti pour 15 secondes plus 1 PV de chaise. Donc 16 secondes, c'est pas beaucoup. On va tenir 30. Et on va se laisser là-dessus. Ah, on est déçu. On est déçu. Oh là 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 là. Putain. Bon, ça va. Bon, on rajoute un peu des exercices. Hein, vous avez vu, on se rajoute. Bon, la caméra, je suis désolé, elle est pas folle. Elle est très très claire. Je peux pas la changer, sinon je change la luminosité de la cam principale. C'est un petit peu le défaut. Allez, parti pour... quoi, 25 pompes, 25 abdos, la tristesse. Salut Chakram, salut à toi. Allez, la petite chaise, je sais pas combien de temps on va durer. On va essayer de durer un maximum, tiens. On va essayer de durer un maximum et sans se tenir les genoux. C'est parti, je me place, au bout d'un seconde, je commence. Ah, je vous ai pas mis le chrono comme un con. On a tenu 1 minute 10. Enfin, moi j'ai tenu 1 minute 10. Oh, j'ai douillé de ouf là. J'ai douillé. Écoute, on se laisse là-dessus sur ce mercredi sport.
N'hésitez pas à me donner vos retours sur le concept, à essayer de me donner vos conseils, par exemple pour faire les exercices, si je fais mal un truc, etc. À donner vos idées pour la suite sur le hashtag Mercredi Sport, soit dans l'espace commentaire de cette vidéo, soit sur le chat sur ce stream, ou soit sur Facebook, Twitter, comme d'habitude. Les liens, enfin les liens, toutes les infos pour les réseaux sociaux sont juste au-dessus. Hein. Super Zoulux, Facebook, Twitter et YouTube. 1 minute 10 de chaise, ça fait trop, non? On va faire les comptes. Ça fait 70 secondes. Ça fait 157 secondes de chaise. Waouh! Comparé à la dernière fois. On a fait combien? Alors, on va regarder. On va clôturer. Alors voilà ce qu'on avait fait la semaine passée. On a fait moins de pompes, on a fait moins de gainage, on a fait moins d'abdos et on a fait beaucoup plus de secondes de chaise, mais c'est normal parce que les exercices c'est 30. Enfin au début on avait fait 30 mais on est passé à 15. Waouh, c'était chaud. C'était vraiment très très chaud. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours. Je vous laisse avec la suite des programmes avec l'équipe Eclipsia, je crois. Ça va être soit Xary ou soit Jill. Je vais regarder ça, je vais vous dire tout de suite. C'est Jill, voilà, sur Pokémon. Amusez-vous bien avec elle. Et on se revoit très rapidement sur la petite émission, bah, d'ailleurs à 18h. Allez, à la prochaine. You're like